Nowhere in the world is the rail network as dense as in Europe. Over the past 200 years, rail has shaped our landscapes, and trains have changed our way of life and culture. Today, there are 226,000 kilometers of rail track in Europe, enough to go 5.5 times around the globe. There is one problem, though. The railways of the European Union count 26 different networks, and the track gauges are not all the same width. To better connect member states and their inhabitants, the EU spent 27 billion euros between 2014 and 2020 on transport. Two-thirds of this sum was invested in roads, only one-third in railways. Today, most big European cities are linked by high-speed rail. But on the downside, numerous small lines have been abandoned. In some regions, with little public investment, the rail network is in a bad state of decay, cutting off small towns and villages from the country's economy. The train that used to serve the small town of Koçani in Macedonia is a tragic example of this. Това сето беше пуно народ. Тоа беше, знаеш, и тука секојдневно идеше теретен воз кој носеше по 100 вагони и повеќе и го обслужуваше цела Источна Македонија. А во станица Коçани редовно по 100 вагони имаше. А сега моментално индустријата во Коçани е опадната за разлика од време на комунизмот. Сега во моментот не доаѓа веќе половина година и повеќе немаме, а по потреба може во секој време, инаку станица е отворена и за товар сообраќај. Кој те снима? А патничкиот сообраќај се одвива навечер еднодневно, идење и враќање. Ги носиме сабајле луѓето до Скопје и ги враќаме попладне. Тоа да доаѓаше возот да меѓународен да замине тука, што значи за тие такво, за тие градови, и за Штип, и за Велес, и за Коçани, Виница, Каменица, Делце, Беро, Пече, сите ки ги фанеше нагоре таа пруга. У комунизам имаше и законо, и вработување. У Европска унија мафија, брате, нереалност. Да. Европа треба од нас да учи, не ми од Европа. Нема живот. Тоа е проток на роба и капитал. Без тоа нема живот. Размена на роба, на стока. Тука е живот. Треба некој да побарува возови. А за жал сега веќе тоа оти. Фирмите се во неповрат. Има брзи воз тука, да биде со струја. Зашо да работам ја тука за што се вика за 200 евра, кидам во Скопје ќе работам по. Значи тего пругата што значи транспортот. Значи ми сме веќе нема со што да одиш. Ако имаш кола ќе одиш до Скопје, ако не тука си укочен и пријат. Значи катастрофа е. Што жалосно катастрофа. Друго јаче е. Тоа е тоа. Ајде идеме да работеме. Ајде идеме да работеме. Ајде повеќе. These poorly served regions don't only exist in southern and eastern Europe. The situation here in northern France also leaves a lot to be desired. When there are no more buses or trains, the inhabitants leave. And the fewer inhabitants a region has, the less is invested in public services. So a vicious circle is established in every area of life. In France, public authorities are testing new ways to be present in remote areas. En fait, on aide les gens dans leur démarche administrative. On fait tous les dossiers imaginables possibles. Carte d'identité, permis, carte grise, voilà. Et c'est parce qu'on est loin des villes, des grandes villes. Nous, pour faire les papiers, il faut monter à 45 km. Et par chez nous, il n'y a pas de bus, forcément. Il n'y a pas de train. Non. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément le permis. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin sur le territoire. Surtout qu'on est dans des petites campagnes, dans l'Aisne, donc dans le nord de la France, donc c'est un peu compliqué. Ça fait 4 ans et on est toujours sur le territoire et on a de plus en plus d'usagers. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Ça va. Alors, dites-moi, c'est pour votre dossier Rodrigo. Voilà. Ben ouais, on en avait déjà fait un, mais ils ont renvoyé d'autres papiers. On ne peut pas dire qu'on a grand-chose dans nos coins. Sans véhicule, c'est compliqué. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de magasins. Alors si on n'a pas d'auto, ben, faut compter sur un voisin. Ou... Sinon, c'est difficile ici. Vous avez, heureusement qu'ils sont là. Ils sont d'un grand secours, on va dire. Au revoir. Merci, bonne journée. Allez-y, ma collègue elle vous attend au fond. Tout au fond? Ouais. Donc au pire, vous viendrez dans notre service parce qu'on va reprendre dans les villages. Ah, moi, je suis sûre et certain qu'il va continuer et ça va prendre de l'ampleur dans toute la France. Peut-être dans d'autres pays aussi, j'espère, parce que je pense que c'est un réel besoin. Et ils ont beau dire, Internet, c'est bien, mais un ordinateur, il n'y a personne pour aider la personne. Et généralement, nous, on fait beaucoup de dossiers retraite. C'est leur dernier dossier de vie, on va dire. Bah, ils ont peur de se tromper, donc oui, ils ont besoin de quelqu'un. Et je pense que le côté humain, c'est le plus important dans notre service. What will become of these regions? How will the inhabitants react once they're cut off from the rest of the country? Efficient local transport can make quite a difference. But that isn't the reality. In the 1920s, France had 60,000 kilometers of railways. Today, only 18,000 kilometers remain. The reason? Just look at the commercials of yesteryear. La nuova 500 metterà sulle 4 ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare. In Europe, the era of the privately owned car began in the late 1950s, early 1960s. The motor car became the ultimate sign of success and prosperity. The automobile industry and the states that invested in them encouraged people to forget trams and buses and to take the car, thus drastically changing our lifestyles and our cityscapes. De grands travaux sont actuellement en cours pour améliorer cette circulation, pour donner à Lyon un aspect moderne en enlevant des rues de cette ville, les pavés et les rails de tramway que l'on y trouve encore trop souvent. Today, major automotive groups are part of a country's identity. Some brands have become national symbols. Their impact in terms of jobs is considerable and a crucial issue for governments. Except that private car traffic emits more CO2 than large goods vehicles and aviation, 62% of total emissions. And the volume of their harmful emissions is still increasing. The main reason for this is SUVs. These vehicles have grown in popularity, but have a higher than average fuel consumption. Therefore, all attempts to reduce the overall CO2 emissions of cars have failed. But not for long. Today, the sector is facing a historic upheaval. L'automobile, pendant des dizaines d'années, a été une industrie protégée par la difficulté d'accès à la technologie des moteurs à combustion. C'est extrêmement compliqué, un moteur à combustion. Développer un moteur à combustion interne, ça prend 10 ans et beaucoup d'argent. Et avec l'arrivée des voitures électriques, cette barrière tombe. C'est possible de proposer des produits attractifs aux clients sans passer par cette barrière des moteurs thermiques. In the world of electric vehicles, Philippe Chan is something of a guru. For the past 25 years, he has developed strategies for Renault, Audi, Tesla, and even the Turkish government. Today, he's working with the French startup Vector to build a gigafactory that will produce batteries for electrical vehicles. Alors, ce qu'on a devant nous, c'est une comparaison intéressante entre un moteur thermique, probablement d'une Megane ou d'une Scenic, et un moteur électrique qui est celui de la nouvelle Megane. À première vue, on voit tout de suite la différence de taille, de compacité, de matière. Et en regardant de plus près, ce qu'on observe, c'est aussi la différence de complexité, le nombre de tuyaux, de câbles, de connecteurs, d'attaches. Et ça, ça représente en fait l'écart qu'il y a entre le travail qu'il faut pour fabriquer et les ressources qu'il faut pour fabriquer un moteur à combustion interne et ce qu'il faut pour fabriquer un moteur électrique. Ça veut dire que sur cette partie-là du processus de fabrication, oui, il y aura moins d'emplois. Il y a une étude récente qui a estimé qu'au total, sur environ 6 millions d'emplois consacrés à l'automobile en Europe, il y en aura à peu près 10% qui sont consacrés à faire ça, des moteurs thermiques. Donc ça, c'est les emplois qui vont plus ou moins disparaître en un certain temps. Et en revanche, il y a d'autres emplois qui vont servir à faire, d'une part, ces moteurs électriques, mais aussi tous les autres éléments de la voiture électrique. Et ce que montre cette étude, c'est que ces emplois sont presque équilibrés. Will the electric car create more jobs than it destroys? There is fierce debate. Just as with the place of the European car industry in tomorrow's world. On voit une offensive des Chinois, notamment dans le domaine des véhicules électriques. Les Chinois ont développé l'industrie de la voiture électrique en Chine très fortement et on va les voir arriver en Europe. Et voilà l'une des deux marques du groupe Great Wall Motors. Donc cette marque-là qui s'appelle Wei, je crois, est consacrée aux grosses voitures ou SUV, je crois. C'est nouveau qu'ils soient présents avec une offre de gamme complète en Europe. Je ne connais pas encore leur stratégie de commercialisation. Je ne sais pas si on peut en acheter, je ne sais pas s'il y a des concessionnaires. Mais en tout cas, ils sont présents sur le grand salon de l'industrie automobile. Donc c'est qu'ils ont des intentions sérieuses. Ouais. Et c'est nouveau, effectivement. Et ils présentent des véhicules qui sont, pour ce qu'on peut voir ici, à un niveau de qualité qui probablement est acceptable dans le marché européen. Wei Coffee One est le sous-premium hybride plug-in. T'as vu le cockpit, tu aimes bien? Ouais, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, mais c'est vraiment nouveau, ça. En fait, on voit à travers le cockpit. On est passé dans une autre génération, ouais. Une autre catégorie, une autre sorte de voiture. Ouais, il était temps. Nous visons, dans le groupe Renault, de lancer d'ici 2025 près de 10 voitures qui seront exclusivement électriques. Et à terme, à l'horizon 2030, 90% des voitures Renault seront des véhicules purs électriques. Donc il y a au moins une chose sur laquelle on va être d'accord, on ne peut pas laisser les batteries venir d'Asie. In an electric car, the battery accounts for the lion's share of the cost. Most of them are made in China or elsewhere in Asia, which once again makes Europe dependent on these countries. To stay in the race, manufacturers in Europe have joined forces to form the European Battery Alliance. 14 battery gigafactories now exist on the European continent. 7 of them are European-owned, 4 are Asian, and 3 American. During the next decade, this number is due to triple, with 12 of them European and 9 Asian. The shift to electrical vehicles could save the car industry. But will it save the climate and the environment? Their construction is extremely energy intensive and their batteries require rare metals. An EV must have 80,000 kilometers on the clock before undergoing a climate impact test equivalent to that of a gasoline-fueled car, which means it will have made up for all the energy consumed during its construction. Then, to be truly ecological, it would have to run on green electricity produced in a sustainable way. Last problem, Cities don't care if they are bottled up by gas or electric vehicles.